Salut tout le monde, c'est Gotaï, mais aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle série sur Dofus sur comment XP son personnage en solo niveau 200. Pour cette série, j'incarnerai un Fekka que je jouerai type feu. Et je suis déjà niveau 11, ouais, parce que pour commencer du niveau 1, pour moi ça n'a pas vraiment l'intérêt. Parce que c'est toujours la même chose, c'est faire les quêtes, aller battre le chef de guerre et tout ça. Donc je retrouve tout de suite niveau 11. Les questions sort, bah je vais monter attaque naturelle niveau 5, ensuite ça sera le glyphe, parce que en fait je vais monter toutes les attaques feu, c'est-à-dire ça, ce glyphe agressif, et ensuite au niveau 70 seulement, la glyphe enflammée. Voilà, voilà. Oh, tu roules, oula. Donc voilà, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais monter tous les points en sagesse. Et je vais, au fur et à mesure de mes niveaux, acheter des stuff qui vont me permettre d'avoir beaucoup plus d'intelligence. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 70. Je tape déjà pas mal pour mon niveau, on va dire. Donc, je vais tout de suite aller XP au chaffeur prépubère, c'est-à-dire juste ici, là au cimetière. Parce que là-bas, on XP vraiment très bien. Oui, vous remarquez que j'ai un groupe, que j'ai SPX Kark avec moi, c'est un Kra, un pote, qui joue et qui est en train d'XP, mais qui n'est pas en train de faire une vidéo. Alors, bien sûr, faire toujours les chals, c'est quelque chose que je vous conseille, parce que ça vous permet de gagner beaucoup plus d'XP. Oui, je rock, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, je l'ai descendu à midlife en un tour. Ah, voilà. Voilà, sur ce combat j'ai pris juste un million, non, je suis encore loin des millions par combat, mais un jour je les prendrai, je vous rassure. Donc voilà, la mystique, il faut que j'utilise que des sorts. Et comme je vais les pétulants du débutant, je vais pas l'utiliser. Là par contre, là, je regrette de pas avoir monté ma glyphe là, parce que... Lui, il va mourir dans la glyphe. Voilà. Eux, ils y rentrent. Merci beaucoup, les gars. Ils vont y rester. Voilà, il est mort. Donc là, je vais poser tout de suite la double glyphe. Pour être sûr qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de dégâts très rapidement. Regardez d'ailleurs. Hein. Sur 72 points de vie, il en reste 56. Ouais, je tape du 40 partout. Ouais, bon bah, il est mort. Même pas. Ah, un PV. Ça, le jeu il abuse. Laissez le truc à un PV, quoi. Vous voyez, 3000 points d'expérience. Pourquoi, je comprends pas. Pourquoi ils font des chasseurs prépubères? Ils sont niveau 100, 130 et... Je ne comprendrai jamais les gens comme ça, moi. Vous êtes niveau 130, allez à Frikost, les gars. Moi, je n'irai pas à Frikost avant au moins mon niveau 100... Au moins 124. Ouais, pas avant le niveau 124, au moins. Par contre, pour les donjons, style donjon d'incarnable, je vais connecter un autre compte que je possède. Parce que sinon, je vais jamais réussir à gérer tout seul. Mais sinon, parce que je vais faire quelques donjons quand même, parce que sinon je vais pas réussir à monter le niveau très très rapidement. Donc je vais faire quelques donjons, je vais tout de suite stopper la record, et je vous reprends dès que je suis dans le donjon d'Incarnam, ouais, dernière salle. A tout de suite tout le monde. Bah re tout le monde, finalement je ne vous reprends pas dernière salle, parce que j'ai demandé à SPX Kark de déconnecter son perso et de prendre... Enfin, de déconnecter, il est toujours connecté. Hein. Oui, en fait, je lui ai dit de prendre mon Ossa pour aller plus vite dans les donjons, parce que sinon ça va être trop long. Donc salut à toi, Kenny. C'est Kenny. Salut tout le monde. On se connaît, tout le monde me connaît dans ces vidéos, donc bah, comme je squatte, il squatte, c'est normal. Bah oui, donc, et d'ailleurs, de toute façon... Donc voilà, il va m'aider, c'est mon Ossa, c'est mon compte. Hein. Et, sauf que voilà, je lui ai dit de prendre... de le connecter pour pouvoir faire le donjon d'Incarnam rapide. Bah, go. Vas-y, Attends, il veut pas.
Tu connais les succès ou pas? Parce qu'il faudra faire full succès. Ouais, je les connais. Non, déjà, ceux du boss, je les connais un peu. C'est faut utiliser qu'un seul PM et tuer le boss en premier, mais vu le rox qu'il a, mon Ossa. Alors, bon. On s'en fout des challes, on bute tout le monde là, t'avances. Voilà, et tu fais une frappe du crack là, ça passe normalement. Non, je peux pas, je suis trop loin. Ah bon? Ouais, je suis trop loin d'eux. Tu vas voir le rox que j'ai. Attention, je rox. Voilà, mais aussi, t'as un truc assez cheaté pour le début. Je rox. Lol, il t'attaque même pas, il sait que ça sert à rien. Il sait que ça sert à rien, allez hop. Ah, vas-y, il sort la grosse attaque. pour un petit mosquito, quoi. Bah, je te laisse aller de l'autre côté. Avec le tournesol, parce qu'il va me faire chier sinon. Coucou. Là, tu sais quoi, tu fais deux griffes spectrales. Là, vas-y, tu fais le tchal. Le deuxième. Tu le bouffes tout en premier. Ah, tu rocks. Moi, je sais quel rocks il a, mon Ossa. Mon Ossa, il rocks vraiment beaucoup pour son level. Ah ouais, attends, tu rigoles. Kaboom! T'es pas mort? Tu l'es. Le mec, il balance des pick and fire. Pick and fire! Vas-y, passe. On envoie un tofu, vas-y. Sors le tofu. Ah bah ouais, bah non, j'ai pas sorti le tofu. Ah. Je le sortirai après. Non, 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 je le sors pas pour la salle du boss, sinon ce trou de balle, il va pas buter le boss en premier. Ouais, mais je le sortirai après qu'on aura battu le boss. Bah ouais, mais de toute façon, bah là, je peux le sortir, là. Ouais, non, là, tu sors le sanglier, carrément, ça va plus vite. Hein. 183 PV. Là, vas-y, tu le pousses à mort. Depuis quand un moustique ça te donne envie de bouger? Oh, il est intelligent! Oh, l'intelligence artificielle! Pouf, tiens, meurs! Et tiens, vas-y, pour te faire chier. Enculé! C'est lui qui attaque son coéquipier. Bah ouais, quoi. Oh, waouh, 6 points de dégâts. Ouais. Attention, j'envoie la styrie lourde. C'est quoi, ça aurait pas fait comme ça. Moi, j'aurais avancé de 3 cases, j'aurais invoqué le plus loin possible, et j'aurais reculé d'une case pour pouvoir lui faire un cri. Ouais, mais là, je peux pas le faire, donc pas. Ouais. Tac. Vas-y. En avant, tofu. Ah, c'est un roxor le tofu, attention. Et notre sanglier, c'est un tofu aussi. Je rox. Waouh, du 19. Qu'est-ce que tu fais, sale larve orange? Non, tu sais pourquoi il tape aussi fort? Parce qu'il tape haut. Et t'as moins 60 de résil haut. Au revoir. Tue le chaffeur. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète, il sait, j'ai des fers. T'es au courant que tu vas tous les tuer là? Je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Alors là, que 1 PM. Attends. Attends, viens, ouais, viens à côté de moi. À côté de moi. Voilà, et tu te mets devant. Après, t'avances une case, je fais des boucliers. Voilà. Là, t'invoqueras un, tu penses. Voilà. Et non, là, ça sert à rien, sinon il va dégommer les. Donc là, t'avances d'une case et tu fais deux griffes et ça passe normalement. Je pourrais même faire le crackler, mais bon. Non, non, parce que tu as. Je risque de buter les mecs à côté. Le chauffeur, ouais, donc. Ah, t'as vu, ça rock ça. Bon, bah maintenant je peux sortir les tofu. Mais n'oublie pas ton PM, c'est tout ce que je te demande. Oh, t'inquiète. Non, à la limite, attaque que à la griffe, ça ira plus vite. Crackler? Non, au crackler. Mais là, je vais prendre beaucoup de dégâts, t'es au courant? Oui, oui, tu vas prendre beaucoup. Bon. Tant pis, fais le crack, vas-y. Et attaque à la griffe là pour le tuer, lui.
je rocks. Donc voilà, j'ai eu le full succès. Donc je suis niveau 12. Niveau 16. Déjà niveau 16. Et voilà, ça va très vite. Donc je vais m'équiper tout de suite de mon deuxième anneau. L'anneau du mental. Ce qui fait que je monte à 103 d'intelligence. Attends, son anneau du mental, il lui rajoute 33 d'intel. Ah bah ouais. Donc là, je vais tout de suite aller chercher une autre panoplie. Du moins, non, ouais. Avec l'Ossa, il n'y a plus de panneau dessus. Il n'y a plus de Bonta, ni de Brakmar. Non, je crois pas. Ok, bah ça va être l'occasion pour nous de descendre à Astrub. Bon bah moi, je déconnecte ton compte, hein. Ouais, ouais, bah du coup, ouais. Donc je sais pas si tu veux rester. Ça te dit de rester ou pas? Ouais, moi là, je me fais des bouffetous avec Kark. Avec le Kra. Sinon, tu vois au bout, à côté du temple Feka, ça XP pas mal là-bas. Ouais. Et ça t'XP du combien par Bah, c'était fou. Tu peux prendre du 100 000. Ah, ouais, quand même. Ouais, mais sur des gros groupes, sinon tu prends du 40 000, quelque chose comme ça. Ouais, bah. Je n'ai rien dans ma banque. Qui peut me donner 257 kaba? J'en ai 500 000, mais t'en auras pas. Donc, je vais vous montrer une petite méthode d'XP rapide qui va vous monter. Voilà, je vais passer facile niveau 25. Je vais passer le level 25 très rapidement, vous allez voir. C'est... Sinon, il y a un autre moyen aussi, encore plus pratique, c'est vous faites les quêtes. Ouais, les quêtes, ouais, mais il y en a certaines qui sont chiantes et longues. Ah, il faut faire les bonnes après. Alors, regardez. Il nous faut une potion de Bonta. Deux potions de rappel. Non, mais une. Une, on en a assez. Et une potion de Brakmar. Et je pense que vous allez vous douter, ça consistait en quoi? Je sais pas du tout. Moi, je vais aller découvrir les deux capitales. Les découvrir complètement, ça nous rapporte beaucoup d'XP, vous allez voir. Ah, moi je les ai jamais découvert. Ah mince, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'étais pas abonné, merde. Ouais, ouais, ouais. Bah du coup, il va falloir que je visite tout à pied, ça va être amusant. Bah pendant les phases de marche, tu ellipses. Ouais. Ouais, j'ai un succès. Bah, attendez, vous savez quoi, je vais faire une courte ellipse et je vais m'abonner une semaine. Je reviens tout de suite. Bah re tout le monde, ça y est, je me suis abonné une semaine, comme promis. Ouais, le tutoriel ta gueule. Alors. Et moi je suis toujours là. Ouais bah voilà, ça y est, je viens de m'abonner. Donc c'est parti, on découvre tout Bonta. Et vous allez voir que je vais prendre des niveaux. Quartier débouché. Atelier des boulangers. J'achète compost, le gars ça coûte 4 millions 5 le compost je crois. Donc je descends. Oh là ça. J'y viendrai un jour quand je serai beaucoup plus HL avec le FK, j'y viendrai. Oh. Oh. Ah non les Bonta. Ouais non les égouts de Bonta. Donc, ah, faudrait que j'y aille, peut-être que ça m'XP passe. Oh non, n'y va même pas là-bas, les mobs ils ont 700 PV. Ah ouais, d'accord. Et ils tapent vraiment très fort. Hein. Ouais, mais non, mais pas pour XP, je veux dire pour découvrir, parce que moi j'y suis jamais allé encore. Donc, je continue de découvrir. Sculpteur. Ah voilà, alors là, sculpteur, il y a un truc à faire. On va sur la gauche. Il y a un monde de deux maps. La taverne de la chope en bois. Ils ont pas trouvé des noms plus pourris. Ah si si, ils en ont trouvé des plus pourris, attends quand même. Ils ont aussi trouvé le moyen de faire des objets encore plus pourris. Recrute pour le donjon d'ambre. Oh, ombre, niveau 190.
On peut XP là-bas, mais les mobs, ils sont niveau 194. Ouais, en gros, mieux vaut rester derrière. Oui, voilà. Alors, HDV des animaux. Attends, on va regarder les prix d'un bois. Non, je sais pas. Il reste combien sur l'OSA? L'OSA? Je crois qu'il reste 1 800 000. Ah, ok. Ouais, bah du coup, est-ce que tu pourrais reconnecter l'OSA, s'il te plaît? Ouais, sans problème. D'abord, je finis mon combat parce que sinon... Ouais. Et tu vas à l'HDV des trucs de bon tas. T'en rachètes un... Ouais, mais attends, je vais devoir y aller par le zap. Pas obligé. T'es pas obligé, tu vas à l'HDV des alchimistes, tu rachètes des boissons de bon tas. Ouais, pas con. Au pire, il me morfaut, donc... Là, tu vas m'acheter un bois, il est à 700 000, je crois, et il donne plus 80 d'intel. Merde, j'aurais pu les deux poux, ils étaient tous mis en rang. Là, vous allez voir, je vais prendre beaucoup de... Voilà, j'ai débloqué des succès, donc là, attention. Niveau 18, juste en marchant. Alors, je continue normal. À monter la full sagesse. Bah oui, parce que... Sinon, je vais pas prendre de niveau. Faut au moins attendre jusqu'au niveau 60 pour avoir le pour se restat. Ah non, beaucoup plus loin, moi. Il va falloir que j'aille beaucoup plus loin en question restat. Ça sert à quoi, ce pain de terre? Ça sert à quoi, des patates? À faire un hamburger. Non, à faire des frites. Ah, merde. Alors, on fait pareil sur Brakmar. Voilà, j'ai fini mon combat. Bah moi j'ai pas grand chose à vous raconter parce que voilà. Je parle pas beaucoup dans les vidéos, je sais. Il va falloir que j'améliore ça, mais il faut que je trouve des sujets. T'as pas des idées de sujets toi? Non. Bah alors, bah on va présenter un peu les FK alors. Alors les FK, bah tout d'abord, faut savoir que les FK sont. Il est où les appliques? Des boucliers, ma. Ouais, voilà. Ils sont là dans les teams. Ils sont très. Franchement, si vous avez un FK, vous serez très très apprécié dans les teams. Si vous êtes un FK full soutien, vous serez quasiment recruté à 100% de chance pour les gros donjons niveau 190 quand vous aurez le level. Parce que, bah, en fait, vous allez pouvoir mettre des boucliers sur vos alliés. Ce qui fait qu'ils vont prendre quasiment 0 dégâts. Mais quand je dis 0, c'est quasiment 0. Ça va se jouer à. Moi par exemple, tout à l'heure, je l'avais pris en duel avec son Modas. Je lui ai fait un coup du crackler sur la gueule et ben c'est moi qui a pris tous les dégâts. Voilà, il s'est pris ce qu'on a vu tout à l'heure sur le loup, bah c'est lui qui s'est tout pris dans la bouche comme une merde. Heureusement que t'as 1500 PV dessus. Ouais, parce que sinon bah. Donc il faut que t'ailles m'acheter un bois que feu. Alors là on découvre les écoutes de Brakmar. Et après on va finir. Il y a aussi un endroit qui peut être sympa à XP quand vous êtes de très bas level. C'est d'aller au cimetière d'Incarnam et de détruire des schiaffeurs. Ouais, ça j'y suis déjà allé tout à l'heure. Moi c'est ce que je faisais, maintenant ça me sert plus à rien. Mais sinon, si tu veux XP, il y a aussi tout ce qui est lampe de CD mods à XP, mais vraiment pas mal du tout. Mais il faut avoir du Rox de distance. Bah, ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Non, mais du gros Rox de distance. Ouais, ouais. Voilà, la cité de la peur. Alors, là, on prend tout. Niveau 19. Ouais, là, j'ai appris un peu moins, par contre. Ah ouais, mais c'est sûr, comme là tu commences à avoir beaucoup plus, avoir besoin de beaucoup plus d'XP. Alors, pour les gens qui vous MP comme ça pour dire les kamas, vous faites clic droit, ajouter à mes ennemis. Chute. Comme ça, vous êtes sûr que les MP ils arrêteront. Donc, avant, je vous aurais dit d'aller XP au Pew. Mais maintenant. C'est des trucs super cheatés. Ouais. C'est pire qu'un tofu. Non, c'est parce que en fait, maintenant, ils vous attaquent à 5 cases.
Ils vous enlèvent toute votre portée, votre PO. Toute votre portée, ouais. Et du coup, bah, si vous que. Avec mon attaquant naturel qui est quand même une assez grande PO, je t'apprête de quoi 3 cases devant mes pieds. En plus, faut que j'évite les pions rouges. En plus, maintenant, ils avancent de 4 cases. Hein ? Ils avancent de 4 cases maintenant, les pions. Ouais, 4 cases. Toi qu'avant, moi, 2 pions, je les gérais très facilement. Je leur tirais 2 fois dessus, puis c'est bon, ils étaient morts. Maintenant, bah, c'est plutôt je les fuis en fait. Ouais, faut les fuir les pions maintenant. En fait, si vous voulez attaquer des pions pour l'instant, mais normalement ça va changer à la prochaine mise à jour. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints. Bah, il faut avoir une attaque distance qui n'est, enfin, où la distance elle est pas changeable. Modifiable, ouais. Voilà, elle est pas modifiable. Comme ça directement ils peuvent pas vous baisser votre PO. Moi c'est ce qui est bien avec mon attaque. Bon, par contre, ce qui est con, c'est que je peux pas l'augmenter non plus. Voilà, regardez, il m'a tapé à je sais pas combien de millions de cases. Et là, je tape devant mes pieds, excusez-moi. Là, t'es en train de combattre un piou-piou. Ouais, un piou-piou violet en plus. Regardez, boah, 24 ans, au corps à corps. Mais en plus, j'ai réussi le tchal, donc c'est tout bénef pour moi. Voilà, plus 3000 d'expérience en 40 secondes. Top card, CC card, Sacré card, Panda card, Ninja Washi, Winash. Là, il y a une jolie team là. Il y a une jolie team. Lol, je viens tout juste de prendre le Zap d'Astrub. Donc, où est-ce que je. Oh là là, le gars, ça c'est une riche, elle est une pieute bleue. C'est une je t'en achète combien des potions de la cité de Banta? 10. Ok. Et après, il faudra que tu passes en bon. Non. Ouais, après, il va falloir que tu m'achètes mon bois que de feu. Ouais, bah, il se trouve à quel endroit celui-là? C'est HDV des animaux. Ah, ça vivement que j'arrive au 500 succès, parce que au 500 succès, je pourrais débloquer le chevalier d'Astrub. Hop. Et j'ai combien de succès? Il en faut 500 pour l'avoir, et j'en ai 131. J'en suis loin. Donc ça s'appelle comment le truc que tu veux que... Un bois de feu. Lol, ils ont balancé des plumes de piou par terre et je suis en train de les ramasser. Okay. Et ils en ont pas balancé qu'un petit peu. Ils en ont pas balancé un petit peu. Donc... Nous en sommes à combien de temps de vidéo là? 23 minutes, bah je vais up niveau 20 très rapidement là, je vais trouver un petit groupe de pio. Oui. Ça te dit un bloc de feu avec 80 d'intel en plus? Oui, c'est celui-là que je veux. Ah, il coûte beaucoup, il coûte très cher par contre. Ouais, c'est 700 000. Ouais, voilà. Ouais, bah prends-le et tu viendras me le donner. Par contre, avant, il va falloir que tu m'achètes un stock de graines de sésame que je puisse le nourrir. Parce que sinon il va cramer de faim. Sinon, pour prendre de l'XP sans risque, ce que je vous conseille de faire, c'est explorer. Vous êtes sûr de monter de niveau rapidement si vous explorez, sans prendre de risque. Après, ça peut être aussi chiant pour certains qui veulent de l'action. Après, ça dépend aussi. Regardez, vive les bots, vive les bots, vive les crates, vive les crates. C'est facile à reconnaître les bots par contre. Bah, on regarde, c'est pas très dur, ils se déplacent toujours à 50 par map. Moi je dis que pour virer les bots, ils devraient faire des espèces de mini update tous les jours. Pour bah, les virer à chaque fois en fait. Hop, allez, un petit bouffeton, c'est vite fait. Il a 49 points de vie.
Vous allez voir, c'est très très rapide. Hein. D'abord, 3 PM. Okay. Si je fais ça... Enfin, heureusement qu'ils ont pensé à faire leur truc avec la transformation en pure. Mm. Enfin, bah voilà, bizarre, 1700 points d'expérience en quoi. Quelque chose qu'on nous avait vu. C'était très très rapide. Donc là, je vais me rendre à un endroit que je connais où l'XP est plutôt sympa. Mais par contre, les mobs ils rockent un petit peu plus là-bas. C'est. Voilà, c'est. C'est le problème. Oui, j'ai un truc assez con à te demander. Quoi ? Ça s'achète tous les graines. HDV des ressources. Ok, parce que moi j'en ai jamais acheté, j'ai trouvé tout le temps sur des pioux. Ouais, après sûr, tu peux te faire une ferme à pioux si t'as envie d'avoir des graines. Ouais, enfin avant, moi je les ai eu avant la mise à jour, les graines. Mm. Maintenant, je crois plus que je vais faire une ferme à pioux avec. Oui, j'ai up niveau 20. Voilà, donc je vais me monter niveau 21 et après je vous dis à très bientôt. Et je pense qu'au niveau 21, il y aura le petit changement de stuff. Et vous verrez bien. Mais je pense que vous savez déjà quel est le stuff que je vais prendre. Pour un niveau 21, il n'y a pas des masses de stuff à prendre. C'est le stuff classique, là, panneau... Vous ne saurez pas ça tout de suite. Vous ne saurez pas tout de suite c'est quoi la panneau que j'aurai. Vous verrez. Alors, on va tout de suite prendre un zap. Chercheur de Dofus. Moi, là, si je veux, je monte à plus de 200 de vita. Il faut juste que Kenny soit d'accord pour me donner le petit Dofus émeraude que j'ai sur mon ossa. Hein, Kenny? Ouais. Bonne nuit, tu penses? Ouais, je pense que tu aimes le filet pour le FK. Ouais bah pourquoi pas, moi je m'en fous, de toute façon il me sert à rien sur ton... Ouais, sur l'ossa. Hein. Mais moi ce qu'il me faudra, ce sera un Dofus Kawot. Regardez l'XP là, deux crabes presque, je prends 5000 d'XP. Pour deux crabes. 56 points de vie, c'est très très rapide. Voilà, hop. Voyez. Ouais tiens, d'ailleurs, attends. Fais penser avec tes graines de sésame. Quoi? Je regarde si j'ai besoin de nourrir mon bois, pas moi. J'ai pas besoin de nourrir. Bon bah c'est cool. Je t'attends devant ta statue. Non, il faudrait que tu viennes. Attends. Rejoins-moi au zap. Mais avant je prends des. Pourquoi j'ai foiré le chat? Oh bah. Je vais juste prendre un dernier niveau et je vais te retrouver aux apps d'Astrub. Comme ça, ça. Okay. Tiens. J'ai déjà débloqué River Kawaii. Ah ouais. Bah on va aller découvrir le port de Madestron. Salut à tous, je vends des Kamas. Il y a Skype, il y a PayPal. Skype dispo, un peu moins de double. 275 millions. Et mon cul, c'est du poulet rôti aussi. Sinon, pour vous faire des camas, vous avez un autre moyen. Vous faites comme moi. Vous n'achetez rien et vous demandez à quelqu'un d'autre. Ça, c'est sale ou par contre ça non, je... Donc voilà, moi je. Non, j'ai pas de carte de crédit. Ouais, bah voilà, j'ai mes deux sorts feu, les deux sorts que j'ai utilisés, qui vont me suivre au niveau 70 quand même. Bah attends, je vais prendre un zap et je te rejoins au zap d'Astrub. Ouais bah moi là j'y suis. Ok bah tu verras arriver par le zap, par la magie du zap. La magie du zap qui te prend du kama. Ouais. Là, clac 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 clac. Cité d'Astrub, 150 kama qui saute. Tiens, attends, des équipes le Dofus Emerald, s'il te plaît. Alors, Dofus Emerald. Tac. C'est bon. Vas-y, donne-moi les deux trucs. Un Dofus Emerald, jet parfait, 200 de vita et un bloc de feu.
Oh, comme c'est gentil, merci. Sur ton bonhomme, il te reste 600 000. Regardez ma vita, bah, je monte à 500 de vitalité. Question intelligence, je monte à 183 d'intelligence. Ouais, par contre là, la vitesse de ton Osamotas a réduit. Ah ouais, fais voir, attends, je t'invite groupe pour aider la vita. 1300, ça va. T'as bien augmenté par contre. Ah bah ouais, plus 200 de vita, tu craches pas dessus. Voilà, donc je pense que on va... Je vais couper la vidéo ici et je vous retrouve... Ouais, bah, je pense que je vais tourner les épisodes à la suite là, jusqu'au niveau 60. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook. Mais j'ai pas encore créé les pages, je vous donnerai les liens quand ça sera fait. Bah, ciao tout le monde. Ciao.